Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 7ème épisode de la campagne solo de Portal 2 sur PC, soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, si on est toujours dans les salles de test de l'ancien centre condamné d'Aperture Science. On a récupéré une vieille amie qui est sous forme de patate, l'ami GLaDOS, et on a commencé à découvrir les joies des gels, le gel bleu ou orange qui nous propulse et le gel bleu qui nous fait rebondir. Et aujourd'hui on va continuer notre progression dans l'ancienne Aperture Science. Avant de commencer, je rappelle que vous pouvez me signaler les éventuels moments épiques et les fails de cet épisode avec les hashtags EpicEPC et hashtag fail et fail, plus du moment que vous voulez que je joue à la compil et sans plus tarder. Reprenons la chambre de test. Alors, on est arrivé ici, on savait pas trop comment aller là-bas. Et bien, il se trouve que je n'avais pas les yeux en face des trous puisque, regardez là-haut, regardez là-haut. On peut placer des portails là-haut. Du coup, on va grimper là-haut. Ceci. Donc on va laisser le portail orange là-haut parce qu'en fait c'est de là qu'on va sortir avec notre espèce de piste d'élan. Et donc il va falloir qu'on mette le portail bleu. Donc on va le mettre là-bas. On redescend. Et on va placer un portail bleu sur la piste. Et normalement ça devrait faire des chocs à pic. Attention. Oui. Bravo astronaute, héros de guerre et ou médaillé d'or. Et voilà le travail. Fred, nous allons... C'est allumé ? Bon, écoutez-moi bien, ce truc ça s'appelle un ascenseur, pas une pissotière. Ta mère, moi qui voulais pisser dedans. Bah je sais pas si t'as réagi à Caroline, peut-être que tu connais ce monsieur. Mais du coup, va falloir que tu nous expliques déjà pourquoi tu t'appelles Caroline et pas GLaDOS et pourquoi t'as réagi à Caroline, madame. Allez. Continuons. Oh, je sens qu'on va se marier. Alors déjà, je vois du gel de propulsion. Si ça vous tente de gagner $60 de plus, avisez-en un préposé au test. Imaginez un peu repartir d'ici avec 120 beaux billets dans votre sébille. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous laisser vous disséquer, vous incorporer 2-3 trucs scientifiques et vous recoudre. Attends, votre sébille, qu'est-ce que c'est? Attends, c'est confortable et en charge. Attends, vous savez quoi? Je veux regarder la définition de ce mot. Sébille, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, petite coupe de bois pour... Ah, d'accord. Le meilleur moyen que j'aurais de vous expliquer, c'est je sais pas s'il y en a parmi vous qui vont à l'église. Alors je vais supposer les catholiques, je sais pas comment ça se passe dans les autres religions. S'il y en a des juifs musulmans qui regardent et qui veulent réagir, n'hésitez surtout pas pour m'expliquer comment ça se passe. Et vous savez, des fois, quand vous avez des enfants de cœur qui passent avec une petite coupe en bois pour la quête, pour récupérer de l'argent pour financer l'église, et ben ce truc là, ça s'appelle un sébile ou un sébille. Voilà, je dois apprendre quelque chose. Alors. Du coup, quel est le fuc? Qu'est-ce que je suis censé faire ici? Déjà, je pense pas que je peux mettre un portail là-bas. Et si je mettais du gel orange? Ouais, ça nous fait une belle... Attends. C'est légèrement en pente, ça. Donc ça veut dire qu'on va utiliser pour se propulser probablement jusqu'au cube là-bas. Ok, donc on va pas brûler les étapes, mais... Si je regarde, ouais. L'autre truc, il est comme ça. Enfin, on va mettre face caméra. Voilà, le truc, il est comme ceci. Il est pas droit. Ok, donc on a déjà une info. Mais qu'est-ce que je suis censé faire de ça? Moi, c'est ça le problème. Qu'est-ce que c'est que ça là? Vous savez quoi? Je vais mettre un portail pour aller voir. Parce que là, je ne bouge pas. Et si je mettais. Eh, mais attends, j'ai compris, regardez. Il fait bloup. Ouais, parce qu'il faut que ce soit du gel bleu. Ah, ça permettrait de transférer du gel, c'est pas mal ça. Ça s'arrête ici. Bon. Repassons de l'autre côté. Ah, mais du coup, attends, ça, je pourrais m'en servir pour prendre de la vitesse et aller quelque part. C'est pas une mauvaise idée ça. Attends, je suis arrivé d'ici. Et cette zone là, je suis pas sûr qu'elle serve à grand... Ces trucs là, je suis pas sûr qu'ils servent à grand chose pour l'instant. Si j'allais voir ce qui se passe là-bas. Bah parce que là, on a le cube là-haut, on l'a vu. Voilà, on aperçoit le cube ici. Mais à quoi va nous servir ce cube? Là, je me pose la question. Ah, il y a une zone là-bas, attends. On va aller voir. Ah d'accord, c'est là qu'on met le cube, c'est ici qu'on met le cube, ok. Donc on met le cube ici qui déplace ce truc là pour faire je sais pas quoi. Et est-ce que je peux mettre un portail?
je peux pas trop. Du coup, hop, on va mettre ça là-bas. Du coup, je reviens ici. Quel est le fuc? Je vois pas trop. Parce qu'en fait, ce qu'il faudrait... Il faudrait quoi? Il faudrait pouvoir atteindre cette plateforme là-bas. Il n'y a pas moyen de placer un portail quelque part. Pas ici en tout cas. Si je regarde de l'autre côté. Voyons voir. Si je grimpouille un petit... Attends. On est d'accord, je peux pas mettre de portail. Qu'est-ce que je peux faire? Attends. Parce que là, il montre qu'on peut prendre, voilà, qu'on peut prendre de la vitesse et qu'on peut sauter. Mais je vais tester un truc à la con. Si on mettait du gel, ça passe à travers. Ok, ouais, c'était ce qu'on appelle dans le jargon une idée de merde. Maintenant, la question que je me pose, en fait, il faudrait qu'on puisse prendre suffisamment de hauteur pour faire quoi? Parce que là, c'est pareil. Avec ça, ça passe à travers. Pareil pour le bleu. Ça met un tout petit peu de bleu ici. Ah, aurait... En fait, il y aurait toujours l'option... mais attends. Je suis bête. On va accéder... Non, merde. Mets-moi du gel orange, là, s'il te plaît, gros. Voilà. En fait, je vais essayer les portails comme ceci, vu que c'est de l'accélération. Et voilà le travail. Et du coup, avec ça, maintenant, je peux aller mettre le cube de l'autre côté. Donc, voilà, puis j'entends le canard confirmer de loin. Et ça met la plateforme de l'autre côté. Est-ce que je peux voir ça d'un peu plus loin? Et du coup, ce serait pas une plateforme... Oh, attends, je crois que je comprends. Je vais mettre un portail bleu là-bas pour aller voir par moi-même. Non, mais le portail bleu, gros. Voilà, le portail bleu est déplacé. Ok, ce serait... Wait. Il est pas censé être dans l'autre sens? The fucky fuck? Attends. Bon, vous savez quoi, je vais le laisser comme ça. Et je pense qu'il faudrait mettre du gel orange là-bas. Attends, faut que je ressorte. Donc, il faudrait que je remette... Attends, c'est quel portail qui est là? C'est le orange, on va mettre le bleu. Donc, il faudrait que là-bas, on mette un portail comme ceci. Et qu'on mette du gel orange. Tu tombes le gel orange? Ok, si je vais voir là, j'ai ma... Alors, je vais essayer quelque chose. Non, ça, j'aurai probablement pas assez d'élan. C'est bon, je sais comment les placer. Je crois qu'il faut doubler, là en fait. Les deux pistes d'élan qu'on a créées, il faut les prendre l'une après l'autre. Donc il faut mettre un portail au bout de la grande et un autre au bout de la... Du coup, faut que je recommence ici. Ok. Donc, hop. Je place ça comme cela. Hop, je reviens ici. Ensuite, plup, suivi de plop. Voilà, donc là, je vois le gel qui part. Et du coup, de là, je dois avoir moyen de passer. Donc du coup, je mets un truc comme ça ici, un truc comme ça là. Et c'est le orange que je dois mettre. Hop, portail orange. Hop. Bien, donc maintenant, je vais prendre de l'élan. Ok, tout ce qui... Ouais, je crois que je comprends. Mais attends, il faut mettre du gel bleu ici. Mais tu le mets comment, le gel bleu? En fait, oui, il faut arriver ici, rebondir. Enfin, rebondir avec du gel bleu et on est au bout. Ok. J'ai ce qu'il faut faire maintenant, il faut les... Comment dire? J'ai la chose sur papier. Maintenant, il faut passer à la pratique. Déjà, première chose... Comment je peux obtenir du gel bleu là-dessus? Comment je peux avoir du gel bleu là-dessus? Ça, c'est un problème problématique, voyez-vous.
Je vais tester un truc à la con. Si je mets un portail ici, un portail là. Ah! Ça a pas fait ce que je voulais! Ok, le portail s'est pas mis. Pour paraphraser Mario, Mamma Mia! Bon! Évidemment! Vérifier que le portail est bien où tu veux avant de balancer du gel, c'est bien. Hop. Donc, je veux mettre un portail là-bas. Ah là! Est-ce que ça change quelque chose? Ça ne change strictement. Par contre, si je mets ça. Attends. Ah non. Mets le gel, s'il te plaît. Je vais tester un truc. Si je mets ça comme ça, ça comme ça. Je dis ça comme ça, merci. Alors, en faisant ça, si je mets le portail bleu ici. Si je prends de l'élan et que j'ai un gros rebond, est-ce que ça va passer? Il me manque une étape encore une fois. Oh! Mais attends! Mais attends, c'est bidon, c'est bidon, c'est bidon, c'est bidon. Bloop. Bloop. Pour que ça se... Voilà! Il me manquait cette étape. Faire venir du gel bleu sur la plateforme pour qu'on puisse rebondir dessus. Voilà, c'est pas mal. Et là, maintenant, on a toutes les pièces du puzzle. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on revient là-bas. On ah ouais, mais merde, attends, j'ai besoin du gel orange, moi. Ok, c'est en place. Voilà, maintenant que j'ai ma piste. Remarque, techniquement, je pourrais même mettre du gel orange là-dessus. Allez, on met le bleu et oui. Et hop là. Si ça vous intéresse, il reste quelques postes à pourvoir. Rapport à cette prime dont je parlais tout à l'heure. Comme je disais, il suffit de se laisser disséquer. C'est pas la mer à boire, hein. On sait comment remettre les morceaux en place après. T'as des preuves? Fini les tumeurs, les cirrhoses, tout ça. Vous vous sentirez propre comme un sous-neuf. En fait, c'est vous qui devriez nous payer. Ouais, non. Moi, je veux bien les 120... Je veux bien les 120 dollars, par contre, hein. Mais bon. J'avais oublié le détail qu'il fallait... Que, évidemment, tu peux pas mettre de portail, mais tu... T'avais une zone pour mettre des portails juste en dessous et du coup bah tu pouvais faire Ok. Merci. Quand je pense que je remercie ces gens-là. Merci d'avoir assez désaoulé pour participer au test du gel propulsif d'Aperture Science. Pour une fois, vous êtes utile à la société et la société vous est reconnaissante. Dans le cas où vous aviez des affaires personnelles, prenez avec vous. Inutile de laisser traîner des cartons ou des sacs poubelles ici. Je sais bien que pour vous, 60 dollars, c'est une manne inespérée. Évitez de tout claquer en... Caroline, qu'est-ce qu'ils achètent ces gens-là? Des morpions, de la crasse? Ok. Ok, l'ascenseur est hors service, mais bon, j'ai déjà repéré la zone de portail, donc hop. On passe par ici. Ça sert à quelque chose? Zone, station de pompage, il y a quelque chose d'autre par ici? Ouais, non, ok, on peut juste pas passer vers l'ascenseur, vers la surface. Ok! Bon, ben je vais continuer, puis je vais passer par ici. Puis on va aller à la station... Ouais, j'ai pas vraiment le choix, on va aller à la station de pompage gamma. Elle est là-bas. D'accord, bah bloop. Et bloop. Alors. Caroline, je la connais, mais pourquoi? Je l'ai peut-être tuée ou bien. Mais non. Bon, Télévine. Écoutez-vous, vous avez les choses en main. Je peux vous laisser seul quelques instants, j'ai besoin de réfléchir. Pas de propre, GLaDOS. Alors, qu'avons-nous là? Wow! Station de pompage, gamma. Déjà, je dois aller probablement par là-bas. Ou par là-haut. Ouais, ça me paraît pas mal là-haut. Ok, je vois du gel propulsif par ici. On
a les conduites de gel répulsif et le gel blanc. Pour l'instant, on l'a pas encore vu, mais ça ne saurait tarder. Parce que je crois me souvenir qu'on a utilisé une paire de fois ce gel. Alors, en vue d'ici, est-ce que je peux envoyer un portail quelque part? Non, on dirait pas. Par terre, je peux pas. Là, par contre, je peux. Ok, parce qu'il faut qu'on arrive là-haut. Attends, là-haut? Non. Là? Non. J'avoue ne pas voir où je peux mettre des portails là, à ce niveau-là. C'est particulier. Attends. La sortie est ici, effectivement. Comment tu accèdes? Avec un saut propulsé, peut-être? Y'a pas de surface pour faire des portails! Est-ce que j'aurais pas un truc à activer peut-être? Une manette, un interrupteur? Je peux pas utiliser de portail ici. Là, par contre, je peux, mais ça servira à rien. Tiens, bah attends, qu'est-ce qu'on a dans l'espèce de bord? Peut-être un truc à activer, c'est vrai ça. Ah bah voilà! Voilà, faut qu'on active les trois gels. Voilà, je vous présente le nouveau gel. Le gel blanc. Mais que fait le gel blanc, me direz-vous? Regardez. Là, je peux pas faire de portail. Là, je peux. Le gel blanc vous fournit une surface pour créer des portails. Et après, vous pourrez combiner ça avec les gels bleus et orange. Ok, donc maintenant... je puisse accéder à cette zone là-bas. Ah mais attends, c'est pas compliqué, tu te mets en mode boing. Ok, pas assez de poète. Je vais faire ça. Pas assez de vitesse, mais c'est pas trop un problème. Allez. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ok, on a du gel propulsif. Ah d'accord. Faut timer ça, je vais attendre que ça commence à remonter. Maintenant. C'est pas mal cette petite séance d'essai. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, Carla qui se plaint dit « Mon nouveau chef est un robot. Mais saviez-vous que les robots étaient plus intelligents que vous et travaillaient plus dur que vous? Ils sont meilleurs que vous. » Et postulez pour les tests dès aujourd'hui. Ah, alors. Bonjour, tu es là, c'est un démon. Mais non. Il s'est envolé. Tant mieux pour lui. Bien, reprenons les tests. Je suis en train de me dire, il n'y a pas un truc que je peux faire avec le... avec le gel, est-ce que je peux amener du gel quelque part? Comme ça. Je peux foncer. Faire dans l'autre sens. Oui. J'adore ce centre d'enrichissement. Oula, faut arrêter de fumer 3 paquets de clopes par jour, mon grand. Les employés sont tenus de participer au test. La qualité de nos cobayes a augmenté sensiblement. La longévité du personnel, beaucoup moins. Lol. Résultat, on va devoir supprimer progressivement les tests sur les humains. Mais avant ça, il y a encore 2-3 trucs à finir. La compta m'a dit qu'on n'avait pas les moyens d'acheter pour 70 millions de rochers lunaires. Même pas pour 7. Rien à carrer. J'ai broyé tout ça, j'en ai fait un gel. Et vous savez quoi? La roche lunaire broyée, c'est un poison violent. Je suis condamné. Par contre, c'est aussi un excellent conducteur pour les portails. Donc logiquement... on va déterminer si des sauts répétés par ces nouveaux portails peuvent drainer le poison lunaire. Moi, quand la vie me fait trébucher, je me relève. Allez, on positive. Et on fait les expériences. T'as pas l'air de beaucoup te relever, mon grand. Si vous pouvez terminer les tests le plus vite possible, ça m'arrangerait. Caroline, rapporte-moi des antalgiques, tu veux. Ok, donc le gel blanc c'est de la roche lunaire. Mais bien sûr, la drogue c'est... Et rappelez-vous les jeunes, la drogue c'est de la merde. On ne le répétera jamais assez. Tout comme le fait que vous seul êtes sûr d'empêcher la perte de vos données, bien évidemment. Ok, donc maintenant, on a le troisième gel qui est là, le gel qui permet de créer des portails. Alors, je pense que le mieux à faire dans cette situation, c'est d'en balancer un peu partout. Pour que justement, on puisse créer des portails dans toute la salle. Là, on a une nouvelle zone pour créer des portails. Par ici, peut-être. Là. Alors, je sais pas trop si ça va changer. Attends.
Voilà, du sperme pour tout le monde. Enfin, comment ça, vous attendiez vraiment à ce que je fasse pas la vanne? Voilà, on recouvre bien tout le mur. Et nous allons recouvrir tous les murs de merde. Est-ce que tu as vu le mur ancien, merde? Moi, j'en couvre toute la salle de gel blanc, mais ouais. And I just in my pants. Lonely Island, si vous connaissez pas, ça vaut le détour. Puis en plus de ça, il y a un des mecs de Lonely Island, c'est le mec qui fait Peralta dans Brooklyn Nine-Nine. Je ne peux que vous recommander. Because Brooklyn Nine-Nine. Puis en plus de ça, été renouvelé, vive NBC, vous roxez du pimpon. Ok, je crois qu'on est bon, je crois qu'on peut créer des portails par ici, attends, attends. Merde, on va créer des portails partout ici, c'est quoi le fuc? Wait, wait, wait. On avait bien du gel partout. C'est... Oh, tu veux voir mon coup? Tu veux voir mon gel à portail? Par contre, du coup, je crée tout ça où, moi? Je mets le portail là. Alors, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais je suis... Oh, veille to suck, mais oui, ça sert à quelque chose, mon bon monsieur. Ah oui, comme ça, de là, t'as une vue d'ensemble de la salle, c'est bien. Du coup, je peux mettre un portail là. Et voilà, ça donne ça. Et du coup, je peux rapprocher progressivement le gel de cette plateforme. Voilà, parce qu'il faut que je puisse me propulser. Donc du coup, je fais ça. Et est-ce que... c'est pas sûr que ça suffise, hein. Remarque, je peux les enchaîner. Ça c'est ballot. Mais je pense que c'est un truc comme ça pour accéder au niveau supérieur. Et je pense qu'on va faire comme ça pour chaque niveau supérieur. Attends, il y a quelque chose par ici? C'est vrai que j'ai pas été explorer ce coin, dis donc. Enfin, comme dirait le canard, j'ai pas été explorer ce coin. Non, je viens d'ici. Je viens d'ici, je viens d'ici, je viens d'ici. Ouais, je suis arrivé là dans la salle. Ok, ouais, y a pas grand chose d'autre dans le coin, comme dirait le canard. Donc c'est bel et bien par ici qu'il faut se rendre. Ouais, je dis ouais. Bon bah du coup Allez. Tu veux vraiment pas aller plus haut, bitch? Attends. Y'a pas moyen d'amener le gel là-haut? Non, parce que c'est... Attends. Ah ouais, mais non. Ouais, ça aurait presque marché. Hein. Attends. Je continue à mettre du gel partout, tas de bitches. Comme ceci. Comme cela. Vraiment pas en mettre ailleurs. Hein. Enfin, en barre, j'en mets un peu partout là, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il faudrait pouvoir atteindre cette zone-là, non? Enfin, la sortie, on sait qu'elle est... Attends, la sortie, elle est là-bas. Ouais, non, pouvoir atteindre cette plateforme, c'est bon. Du coup, t'y vas comment? T'y vas comment, du coup? En fait, ça manque de gel propulsif, là, pour arriver en haut. Pas vraiment, c'est pas beaucoup de hauteur, pas beaucoup de choses pour prendre de la vitesse. Attends, on va essayer un truc à la con. Il faut que je mette le... Ouais, non, c'était vraiment une idée à la con. Mais je suis censé faire quoi là alors? Je suis censé faire quoi? C'est là combien? Je vais finir par regarder si ça passe pas. Mais je vois même pas le numéro de la salle. C'est celle qui est après la station de pompage de toute façon. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le jeu? Je y en a pas comprendre. Faut pouvoir accéder à ça, mais attends. C'est un truc à la con. Ça comme ça, non, ça passera pas.
Attends, est-ce qu'il y en a derrière? Est-ce que ce machin à couper est derrière? Non, en fait, le bleu ici. Ah non, là ça passe pas. Ici. Ça passe pas plus. Fichtre alors! Fichtre de fichtre. Bon, au pire, je vais mettre un portail ailleurs, parce que j'ai marre d'entendre voilà, ça. Mais qu'est-ce qui peut bien me manquer? Attends, je peux pas mettre un portail ailleurs? Non. En plus, là, le machin, il est entièrement et je peux pas faire plus blanc, quoi. Alors là, je vous avoue, je vois pas. Mesdames et messieurs, je ne vois pas. Alors, où est le FUC? Voilà, on est là. C'est celui-là qu'il va falloir qu'on fasse. D'accord. Ouais. Ah ouais, en fait c'est tout con. C'est tout con, attends. Si je fais ça comme ça ici et là. Ouais. Mais est-ce que ça sert à grand chose de faire ça en fait? Ouais, j'en vois partout. Que ce soit tout blanc. Ok, et en faisant ça. Eh mais faire ça, est-ce que ça me sert vraiment à quelque chose? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Est-ce que j'ai une zone où je peux mettre un portail en par la suite? Parce qu'en mettant ça là-haut, je peux pas faire grand-chose. Et de l'autre côté, est-ce que ça passe? Évidemment que non. Évidemment, pas bonne dame. Alors, quel est le FUC? Quel est le FUC? Je répète... Quel est le FUC? Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, ça, le machin il fonctionne pas, évidemment leur plugin il fonctionne pas, site de merde. Ok, est-ce que je peux regagner une quelconque plateforme là? Il y a la plateforme tout en haut, mais je peux pas y aller à cette plateforme, non? Ça, je sens bien le truc qu'on refera. Ah, mais attends, on va peut-être faire ce truc là. Peut-être continuer par ici, mais c'est vrai que ça prête un petit peu à confusion, hein, le ton gel blanc là. Bah écoute, on te met un gel blanc qui ne ressemble absolument pas à ce qui sort du zizi d'un monsieur, hein. Voilà, on a ce truc là et maintenant je peux m'en servir pour pouvoir barbouiller la zone de portail. Ah, c'est mieux. C'est malin ça, je dirais même que c'est intelligent. Voilà. Voilà, puis avec ça maintenant je devrais pouvoir aller en haut. Attends. Voilà, je peux mettre ça comme ça. Et puis je vais mettre un au pied de la tour comme ça. Et normalement ça devrait être bon, je devrais pouvoir accéder à cette plateforme. Attends. Peut-être faire donc de l'autre côté. On met un portail là en bas et un portail là-haut. Voilà. Effectivement, j'avais zappé qu'on pouvait aller là-haut. Bon. Et du coup, avec ça, je suis ici. Et cerise sur le pimpon, je peux mettre mon portail là et en tombant, je peux faire un portail orange. Oui. Et arriver là-dessus. Oh, j'ai pas mal réfléchi. Quand la vie vous fait trébucher, ça ne suffit pas de se relever. Il faut lui péter les rotules à cette grognasse, œil pour œil, dent pour dent. Et essaie un peu de te relever maintenant, traîner. Vas-y, pète-lui les rotules. Je vous jure, la vie regrettera le jour où elle a osé faire trébucher Kev Johnson. Tu sais qui je suis? Je suis le grand méchant loup qui va faire tomber ta maison. Il est à fond. J'ai ordonné à mes ingénieurs de monter des rotules sur ta maison pour pouvoir les lui péter. Petit cochon. Ouais, pas dernier qu'a dit, c'est le président des États-Unis. Hein. Si on peut stocker de la musique sur un disque compact, pourquoi pas l'intelligence et la personnalité d'un individu? Mes ingénieurs sont en train de plancher là-dessus. Ça fait 30 ans qu'on aurait dû se concentrer sur la cartographie cérébrale et l'IA. Enfin bon, c'est trop tard pour faire machine arrière. Je le dis, je le redis et je vais le diffuser en boucle pour que ça rentre dans le crâne à tout le monde. Si je crève avant que vous arriviez à transférer dans un ordinateur, je veux que Caroline prenne la relève. Ben oui.
Va rechigner, c'est son genre, toujours trop modeste. Je ne veux pas le savoir, forcez-lui-le. C'est pas gentil ça. Bien, mettez-la dans mon ordinateur, je m'en fiche. Bien, fin du test. Vous pouvez retourner à votre bureau. Je peux retourner à mon bureau, bon bah très bien. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je vais pas retourner dans mon bureau aujourd'hui. Moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Portal 2. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir. Si pas non plus, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ou à parler de la chaîne autour de vous si tu as envie de tout ça, vous le savez. La petite communication, ça fait plaisir. Les mots épiques et les failles avec les hashtags adosés, vous connaissez la musique. Et en attendant, la suite de notre progression dans l'ancien centre d'aperture Scion. Je vous remercie une fois de votre soutien. Ne changez pas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.